Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est un plaisir que de vous retrouver pour ce troisième volet de nos histoires grecques, aux côtés de Pierre-Alain Mallet. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Martin. Nous, je salue la France entière, puisque j'ai noté vos salutations très amicales et très sympathiques depuis la Bretagne, depuis la Savoie, depuis toutes les régions ou à peu près, j'ai également noté tous vos pouces levés, je vous invite à Continuer à, à poursuivre cette ovation électronique en faveur de Pierre-Alain Mallet, qui aujourd'hui nous entraîne à Olympie, les, donc un haut lieu de l'histoire grecque, un, un site majeur et une source pour les Jeux olympiques. Au demeurant, qu'ils aient lieu ou non cette année, ce n'est pas la question. L'inspiration se trouve bien en Grèce et dans l'Antiquité. Sans plus attendre, et tout en vous invitant à alimenter le chat de vos questions, puisque Pierre-Alain Madet est là pour vous avant tout. Sans plus attendre, je lui cède donc la parole. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième intervention sur l'histoire des grands sites hein, de la Grèce antique. Hein. Aujourd'hui en cette année olympique, hein, puisqu'il semblerait quand même que nous ayons des Jeux olympiques un petit peu repoussés cette année, mais qui devraient pouvoir s'ouvrir, il était logique de s'intéresser au lieu, au site hein, dont cet euh, idéal hein, actuel encore hein, a trouvé ses racines, son inspiration, le site hein, d'Olympie. Olympie, Olympie c'est un site qui n'est peut-être pas le plus. Impressionnant, ni hein, par le site hein, lui-même, le paysage, hein, je veux dire, hein, ni par les vestiges. Il faut dire que ce site, hein, tel que vous le voyez, a eu la chance, hein, pour ceux qui y vivaient, je pense, hein, d'être dans une très large vallée arrosée, fertile. À l'inverse, hein, et c'est tout le problème hein, de l'histoire des rapports de la Grèce avec son agriculture, avec son climat, également. Quand on est sur un site où l'eau est abondante, on est à la merci d'orages torrentiels qui dévastent de larges portions du territoire, qui lessivent les sols et qui font disparaître petit à petit les vestiges les plus solides. Et c'est ce qui explique que quand on voit cette image du site d'Olympie, que vous avez à l'écran, Ici, hein, on aperçoit à la fois hein, l'étendue hein, de cette plaine et en même temps des vestiges, hein, vous voyez, parsemés au milieu d'arbres, hein, mais assez peu en élévation, hein, où il n'y a pas autant à découvrir hein, peut-être hein, que sur d'autres sites majeurs hein, de l'histoire de la Grèce. Si on revient au positionnement de ce site d'Olympie hein, dans le monde grec, hein, Contrairement à Delphes, dont j'ai eu l'occasion de vous entretenir, Olympie est décalée, est centrée. Il est à l'ouest du Péloponnèse. Vous devez apercevoir cette grande étoile rouge qui témoigne du temple de Zeus, lié au culte principal pratiqué à Olympie. Donc on est vraiment loin des autres sites du cœur du monde grec. Et c'est peut-être à noter tout de suite, Olympie n'est pas une cité. Dans tous les autres sites que vous apercevez sur cette carte, pratiquement, il y avait une ville et un sanctuaire qui étaient accolés. Olympie n'est qu'un sanctuaire. La ville la plus proche, dont vous voyez le nom au-dessus, est, est celle qui s'est emparée, qui souvent a pu gérer les épreuves sportives et le fonctionnement. Du sanctuaire, hein, mais elle était différente, hein, séparée hein, du sanctuaire hein, qui est hors sol pratiquement, hein, comme si à cet emplacement spécifique hein, seul hein, le culte hein, à Zeus, hein, aussi bien à travers les temples qu'à travers les épreuves sportives hein, dont je vais également hein, vous parler aujourd'hui, hein, pouvait hein, se développer. Le l'avantage et l'inconvénient. J'en disais un mot tout à l'heure, est liée à Olympie, hein, au site et au confluent où elle se trouve de deux fleuves, enfin d'un fleuve et d'une rivière. Sur cette carte, vous avez hein, la vue de l'importance du fleuve qui arrose la ville d'Olympie. Il s'appelle l'Alphios, l'Alphée hein, en français. Il possède son embouchure au niveau de la ville de Pyrgos, hein, que vous apercevez en gros sur la carte, et du coup, Olympie, que vous avez un petit peu à droite, n'est hein, pas à l'extrémité de ce fleuve, mais dans un lieu, hein, dans un confluent, hein, où hein, l'Alphios et le Cleidios se rencontrent hein, pour créer un site riche hein, en eau, mais aussi, hein, vous l'avez compris, et j'y reviendrai, hein, qui risque de créer des inondations torrentielles hein, qui... Hein, Abîme hein, le site hein, de façon régulière. Un petit mot encore sur cet alphée qui a toujours eu une importance, puisque on le devine sur cette carte du réseau hydrographique en Grèce, hein, il est le plus long et très largement, 120 km de long à l'échelle de la Grèce. Hein, C'est un fleuve gigantesque, majestueux, et à travers ses hein, affluents, que vous apercevez aussi ici, hein, vous avez une bonne partie du Péloponnèse hein, qui est irrigé par l'Alphée et ses affluents. Autant dire que quand on sait hein, le culte qu'avaient les Grecs hein, pour les cours d'eau, en général, hein, un fleuve aussi long à leur échelle hein, et avec autant d'affluents hein, ne pouvait hein, éviter hein, d'être le cœur hein, d'un certain nombre de légendes. Et ça y est, hein, j'y reviens, comme à chaque fois qu'on parle de la Grèce, il faut commencer à évoquer hein, des légendes qui souvent. Sous-tendent hein, d'autres réalités. L'image suivante, hein, vous allez découvrir le visage hein, que les Grecs d'Olympie ont voulu donner à Alphée. C'est ce personnage que vous avez à gauche hein, de l'écran qui se trouvait à l'extrémité hein, du fronton hein, du temple hein, de Zeus hein, construit euh, sur le site. Et la légende raconte que ce fleuve, hein, ce fleuve gigantesque, je le répète, vous l'avez compris, je pense maintenant, hein, était tombé amoureux hein, d'une jolie nymphe. Hein, des rivières, des sources, hein, ce qui est logique pour un fleuve, hein, me direz-vous. Elle s'appelait Aréthuse. Hein, et pour lui échapper, dans toutes les légendes en général, hein, les nymphes, naïades hein, et autres muses essayent d'échapper aux assiduités hein, des dieux, des divinités. Eh hein, bien, pour lui échapper, elle va être transformée en source, hein, mais très loin de la Grèce. Hein, et la source Aréthuse, pour la découvrir, hein, il vous faudra aller jusqu'en Sicile. Hein, Jusqu'à Syracuse, hein, où vous en découvrirez hein, le bassin encore visible hein, aujourd'hui. Peu importe, l'amour d'Alphée est tel hein, que le fleuve hein, va traverser la mer hein, de façon souterraine, hein, il faut avoir un petit peu d'imagination, hein, pour que ces eaux ressortent hein, en Sicile et puissent se marier à celles. Hein, de la jolie nymphe. Et pour l'éternité, leurs roseau continuent à se mêler, témoins de cet amour divin du fleuve Alphée pour cette nymphe. Et c'est pour ça que je vous ai mis aussi cette charmante photo hein, d'une jeune fille grecque hein, actuellement qui reprenne, hein, en fait, dans les écoles hein, de la région, la très belle histoire selon laquelle, si l'on va mettre des fleurs hein, au printemps hein, dans le cours hein, de l'alphée, eh bien celles-ci hein, iront jusqu'en Sicile. L'histoire hein, est jolie, à défaut d'être vraie, même s'il y a plein de légendes qui essaient d'alimenter qu'on a à certains moments jeté des coupes hein, dans l'alphée et qu'on les a retrouvées en Sicile. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que derrière cette légende, hein, il y a le souvenir et la volonté d'affirmer que... La Sicile fait partie du monde grec, que cette grande Grèce, comme on l'a appelée à cette époque, était intégrée au monde grec et que très certainement, et on le sait d'ailleurs par des, des, leurs réalisations, beaucoup d'athlètes venus du sud de l'Italie et de la Sicile sont venus concourir à Olympie. Voilà comment la légende renvoie à une réalité de civilisation. Une autre légende nous raconte hein, l'origine hein, des Jeux Olympiques. C'est celle de Pélops, hein. un personnage peut-être peu connu, mais fondamental dans l'histoire grecque, puisqu'il donne son nom, vous l'imaginez, au Péloponnèse, hein, à toute cette région dont Olympie est l'un des sites hein, majeurs hein, de toute la partie sud hein, de la Grèce. donc, Pélops hein, était le fils de Tantal. Hein, vous connaissez sans doute le supplice de Tantal, hein, qui, dans les enfers, hein, euh, meurt hein, constamment de, froid, de soif hein, et de faim, mais ne peut jamais satisfaire ses hein, deux besoins. Eh bien, s'il est condamné à cela, c'est parce que lors d'un dîner, il a offert son fils, hein, Pélops, hein, à manger aux divinités hein, qu'il avait reçues hein, dans l'Olympe. Ceux-ci sont outrés, hein, vont le punir, hein, et Pélops. Hein, pour sa part, hein, comme une déesse, Déméter a mangé un petit peu trop goulûment son plat il a fait, et a fait disparaître hein, un bout de son épaule, on lui a mis une épaule hein, en ivoire. C'est le début de l'histoire de Pélops, hein, mais la suite hein, raconte comment il arrive hein, sur le site hein, d'Olympie, hein, qu'il tombe amoureux hein, d'Hippodamie, c'est elle hein, que vous voyez ici hein, sur ce char. Hein, qui est la fille du roi Eunomaos. Or, celui-ci hein, a reçu un oracle selon lequel hein, celui qui épouserait sa fille le tuerait. Et voilà pourquoi il défie tous les prétendants à une course hein, de chars. Or, il a des chevaux divins hein, qui ne peuvent être vaincus. Pélops, lui, soutenu hein, par les dieux. Hein. Alors, il y a deux versions une selon laquelle on va lui donner des chevaux encore plus rapides et une autre selon laquelle il va soudoyer le cocher hein, qui s'appelait Myrtillos hein, pour hein, que le char hein, du roi hein, bien sombre hein, et que le roi vaincu, hein, mort, hein, laisse la place à Pélops qui épouse la belle Hippodamie. Et c'est cette course hein, de char, hein, le souvenir de cette première épreuve sportive, hein, qui explique hein, que c'est en mémoire hein, de ce passage hein, de l'histoire qu'aurait été, institué à l'origine hein, les Jeux olympiques, les premières épreuves qui allaient donner naissance hein, aux Jeux olympiques. Tiens, voilà la légende hein, qui se euh, cache hein, derrière la création des Jeux, en tout cas la légende hein, la plus souvent racontée, puisque dans le monde grec, il y a toujours plusieurs hein, vérités hein, qui se cachent, hein, donc souvent plusieurs légendes qui peuvent hein, s'affronter les unes aux autres. En tout cas, le site hein, est dédié dès l'origine hein, à Zeus et à son épouse. Et si le temple de Zeus a été souvent rénové, on le verra tout à l'heure, hein, le plus ancien des temples que l'on découvre hein, sur le site, hein, qui montre hein, que le sanctuaire hein, est né très anciennement, sans doute au moins depuis le 8e siècle avant notre ère, eh bien, ce temple le plus ancien, c'est celui hein, de l'épouse de Zeus, hein, d'Héra. Encore une fois, il y a peu de vestiges. Vous voyez le socle. Hein, la crépice, avec ses trois marches qui permettaient d'arriver au niveau du temple, on a remonté une colonne. C'est cette pratique que les Grecs appellent d'un très joli mot d'ailleurs l'anastylose, le remontage des colonnes pour rendre une visibilité minimale, au moins à ce, ce site. Et donc ce temple qui n'a quasiment pas bougé depuis 650 avant Jésus-Christ, est aussi hein, dans l'histoire hein, un élément important puisque l'on disait qu'à l'origine hein, il avait été construit en bois et que au fur et à mesure que l'argent arrivait au sanctuaire hein, par l'augmentation du nombre du pèlerin, on remplaçait une à une ces hein, colonnes en pierre jusqu'au moment où l'intégralité du temple hein, est devenue en pierre, hein, montrant la réussite hein, du sanctuaire et des jeux qu'il organisait. Les images suivantes vous rappellent d'ailleurs cette légende puisque sur le côté, on a rétabli une partie de la frise qui soutenait la charpente et le toit avec cette alternance de métopes, ici juste ces éléments carrés sans aucune décoration, et puis de ces trois barres verticales, ce qu'on appelait les triglyphes et qui étaient en fait la matérialisation de l'aboutissement des poutres de bois à l'origine hein, qui hein, avaient cet aspect hein, de, de ligne hein, de, de liée à leur taille hein, pour la mise en place hein, de, de ces temples. Hein. Donc voilà. Une légende qui raconte aussi hein, l'historicité. Les, les Grecs sont les premiers à lire l'histoire comme une amélioration, comme une évolution constante, et voilà comment hein, elle est racontée hein, sur le site hein, d'Olympie. Très tôt, hein, les cités hein, qui venaient concourir hein, à Olympie, hein, comme euh, vous allez le voir, hein, euh, offraient aussi, comme sur d'autres hein, sites, des trésors. Hein, et Là, vous avez, alors, comme je vous le disais au tout départ, hein, le, le site lui-même n'est pas toujours le plus impressionnant. Donc, vous avez cet escalier qui monte hein, vers une terrasse hein, et sur cette terrasse, et c'est pour ça que je vous ai hein, aidé du plan, hein, se trouvaient des bâtiments hein, euh, cubiques, hein, le plus souvent, hein, des sortes de temples, de petits temples, vraiment en réduction, hein, qui chacun d'entre eux hein, était offert par les cités hein, qui souhaitaient hein, témoigner hein, de leur réussite, de leur victoire. Hein, et donc vous aviez progressivement douze hein, de ces trésors, douze petits temples, vous hein, voyez ils sont numérotés hein, sur le plan, hein, qui s'étaient installés. Et le plus à gauche d'ailleurs hein, était celui de Syracuse, hein, qui rappelle la légende d'Alphée et d'Arétus hein, que je vous racontais hein, tout à l'heure. Hein, il y en avait un par la cité d'Épidore, Cyrène en avait réalisé un, Métaponte, Médiar, Géla, encore un site hein, sicilien. Donc ces trésors hein, témoignaient de l'investissement et de la présence hein, volontaire des cités, des grandes cités grecques hein, sur hein, ce site. Mais le site, hein, donc, à l'origine, hein, s'organisait d'abord et avant tout autour du temple hein, le plus majestueux, le temple de Zeus. Encore une fois, juste une colonne hein, redressée, hein, beaucoup de morceaux comme un vaste puzzle hein, encore hein, à réaliser, mais qui, très certainement d'ailleurs, ne le sera jamais parce que c'est aussi une partie hein, du site de son histoire que cette phase d'abandon hein, que dont témoignent hein, ces pierres hein, laissées à même le sol, mais qui est un temple fondamental d'abord parce que, euh, construit hein, dans la dernière version, hein, que l'on devine hein, ici hein, entre 472 et 456 hein, avant Jésus-Christ, hein, on en connaît également le nom de l'architecte. Hein, C'était un certain Libon d'Élysse, hein, cette cité voisine qui gérait hein, le sanctuaire de, que j'évoquais tout à l'heure. Hein, donc c'est à lui que l'on doit le plus grand temple hein, du Péloponnèse. Hein. 28 mètres sur 64 mètres de long, hein, il est resté hein, la référence ultime, le plus grand des temples hein, que l'on trouvait dans le Péloponnèse. Il faudra ensuite aller euh, justement dans le sud de l'Italie ou en Sicile hein, pour découvrir hein, des temples plus importants en taille hein, que celui-ci. À défaut hein, de pouvoir voir l'élévation du temple, hein, les fouilles. Hein, sur le long terme, ont permis de découvrir suffisamment d'éléments sculptés hein, pour retracer hein, ce qu'étaient les frontons hein, de ce temple. Sur l'un des frontons, hein, et c'est ce que vous avez ici, alors je vous l'ai rendu un petit peu plus compréhensible hein, par la reconstitution qui en a été faite hein, au-dessus, hein, eh bien l'on raconte hein, la légende que j'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que le personnage au cœur du fronton, c'est Zeus. Hein, Bien sûr, hein, il est le dieu majeur hein, de ce site hein, d'Olympie, hein, mais autour hein, de lui, hein, vous voyez déjà prêts à s'affronter hein, les personnages hein, de cette histoire. Le roi Onomaos, hein, juste à gauche hein, de, de Zeus, hein, de l'autre côté, hein, Pélops, hein, vous voyez les chars hein, prêts hein, à s'affronter, hein, et puis à l'extrémité droite, un personnage que je vous ai déjà présenté, c'est Alphée. C'est le fleuve hein, qui baigne hein, Olympie. Donc voilà quelques-uns de ces éléments que l'on a retrouvés et à peu près réussi hein, à reconstituer grâce aux descriptions qui, dans l'Antiquité, hein, nous décrivaient hein, ce à quoi ressemblait hein, ce fronton. Le fronton à l'arrière hein, du temple hein, a été également en partie hein, retrouvé et lui, pour sa part, hein, est de façon plus classique. Hein, une euh, évocation hein, de l'opposition constante hein, que constitue hein, le monde grec, hein, une opposition entre la civilisation et la barbarie, hein, et qui est souvent, comme c'est le cas ici, hein, représentée comme un affrontement entre le peuple hein, humain, des lapites, hein, et les centaures. On raconte hein, que pendant le mariage hein, d'un grec hein, qui s'appelait qui était le principal ami de Thésée, le roi d'Athènes. Les centaures se sont enivrés et ont essayé de s'emparer pour les violer des femmes lapitaines. Et finalement, le banquier de mariage s'achève en un bain de sang qui, heureusement, va tourner à l'avantage des hommes et donc de la civilisation, grâce à l'intervention du personnage central du fronton hein, que vous voyez ici qui est Apollon. Je vous l'ai mis en gros plan à droite de l'écran hein, parce qu'il témoigne dans, dans sa réalisation hein, de cet art hein, extrêmement... Alors on l'appelle sévère. Hein, mais presque sec hein, dans la réalisation. On n'est pas encore dans la finesse, hein, l'expressivité de l'art classique grec. Hein. On est hein, dans une représentation hein, des, des grandes masses, que ce soit musculaires, hein, ce que vous voyez à gauche, hein, ou hein, d'un visage hein, qui montre une sorte d'éternité hein, de la divinité d'Apollon qui intervient pour aider les hommes. Hein, dans leur lutte contre les forces plutoniennes, hein, les forces hein, sauvages hein, de la nature et de ces populations hybrides hein, que sont hein, les centaures. Sur les côtés hein, du temple hein, se trouvaient entre les triglyphes que j'évoquais hein, tout à l'heure, hein, des métopes, ailes sculptées et décorées. Une des chances. Hein, du musée du Louvre hein, qui réouvre aujourd'hui, hein, profitons hein, pour euh, le rappeler. Hein. Une des chances hein, du musée du Louvre, c'est que dans les années 1820, les premières fouilles hein, qui vont avoir lieu sur le site hein, vont mettre à jour hein, quelques éléments sculptés hein, de ces métopes, hein, et elles vont être envoyées à Paris hein, en remerciement de l'aide hein, donnée par le pouvoir de Charles X hein, au aux Grecs pour leur indépendance contre l'Empire ottoman. Et du coup, une partie des méthodes que vous voyez ici eh bien, se trouvent au Louvre, ont été conservées. Mais les fouilles, quand elles sont reprises, alors cette fois plutôt par des archéologues allemands, à partir de la fin du 19e, vont permettre d'exhumer le reste des éléments. C'est pour ça que, par exemple, dans celle qui est en haut à gauche, vous avez... Hercule hein, qui est en train de remercier Athéna de son aide hein, pour lui avoir fourni les flèches pour tuer les oiseaux du lac Stymphal. Or, hein, sur euh, cette métope, hein, eh bien Athéna est au Louvre, hein, et la partie droite est une copie qui, elle, se trouve encore hein, à Olympie. Euh, se trouve également au Louvre hein, cette superbe réalisation hein, que vous voyez en bas à gauche hein, d'Héraclès hein, combattant hein, le taureau hein, de l'île de Crète. Hein. Par contre, il faudra aller à Olympie hein, pour voir hein, euh, Héraclès hein, avec le pied sur le dos du lion de Némée hein, ou rapportant les pommes d'or hein, du jardin des Hespérides hein, à Atlas. Hein. Euh, enfin, c'est plutôt Atlas qui lui rapporte pendant que lui-même a soutenu hein, le monde, hein, pendant que Atlas allait quérir hein, les, ses pommes d'or. Hein. Voilà, elles sont divisées entre deux musées, mais on a maintenant une bonne lecture hein, de ce summum, encore une fois, de l'art sévère du début du 5e siècle hein, avant notre ère, et qui rappelle que si, hein, dans la première légende que j'évoquais, c'est Pélops, hein, qui Est à l'origine des Jeux Olympiques et à travers sa course de char. Hein, on dit par la suite que Héraclès hein, est celui qui a rénové les Jeux Olympiques et qui les a organisés dans la version hein, qui, qui va être la leur pendant une bonne partie hein, de l'Antiquité. Voilà déjà quelques-unes des œuvres d'art hein, qui permettent hein, de témoigner de la richesse et de la façon dont les meilleurs artistes. Hein, de ces époques ont voulu que leur art soit représenté hein, au cœur hein, du monde grec, hein, là où les jeux panéléliques de tout le monde grec, hein, de façon universelle hein, au sens grec, hein, avaient lieu. L'artiste hein, le plus connu, hein, et dont la réalisation hein, va marquer les imaginations, alors là, pour des siècles, hein, c'est celui qui est déjà évoqué sur cette monnaie que vous découvrez ici. Hein, qui évoque la statue la plus célèbre hein, du monde, en tout cas à cette époque. Hein, c'est une statue de Zeus, encore une fois, qui était placée à l'intérieur hein, de la cella, du Naos, plus exactement en grec, hein, du temple hein, dédié au roi des dieux. Hein, et vous voyez ce dieu assis, hein, c'est Zeus, hein, maître hein, de l'univers, Zeus hein, olympien, hein, dont la statue hein, va être offerte. Hein, à la ville, au sanctuaire, pardon, par le sculpteur athénien Phidias. Alors, pour savoir à quoi ressemblait cette statue, on a beaucoup utilisé les descriptions des visiteurs antiques, entre autres d'un certain Pausanias qui nous a laissé une très large description de ce site. Et vous voyez ici cette statue qui était donc crise éléphantine. Encore une fois, cette cette façon de construire les statues où sur un socle de bois on installe en alternance pour la chair des éléments d'ivoire et pour les décorations et les vêtements des feuilles d'or fixées sur la sculpture. De bois. Donc, c'était cette euh, méthode crise éléphantine qui était utilisée hein, pour hein, le Zeus hein, qui tenait hein, une victoire hein, ailée dans la main droite et le sceptre hein, de son pouvoir sur l'univers dans l'autre. Ce qui marquait hein, l'imagination de tous ceux qui avaient eu l'occasion de découvrir cette statue, hein, c'est que le dieu hein, paraissait plus grand, était plus grand de fait hein, que la euh, stèle-là, et si jamais il devait se lever, hein, on sent que euh, sa tête euh, percerait euh, le sommet hein, du temple. De façon plus euh, réaliste, hein, euh, je reviens un instant au Louvre, on a installé une petite maquette hein, au Louvre, dans la salle hein, des reliefs de l'Impie hein, que je vous évoquais tout à l'heure, hein, qui montre encore plus à quel point cette statue... Hein, contrairement à la gravure précédente hein, eh bien, était entièrement rencoignée dans un espace extrêmement estreint ce qui en rajoutait hein, à la majesté à la monumentalité hein, et voilà hein, ce que devait découvrir hein, à peu près ce que devait découvrir les visiteurs hein, d'olympie à cette époque hein. cette statue hein, devient immédiatement célèbre et quand à partir du deuxième siècle hein, avant notre ère, on commence à faire des listes, hein, des œuvres, des réalisations humaines les plus extraordinaires. Hein. Eh bien, celle-ci, hein, la statue du Zeus hein, olympien de Phidias, hein, devient immédiatement synonyme de l'une des merveilles du monde, hein, l'une des sept merveilles du monde. Et celle-ci, bien plus que les autres statues triséléphantines, dont celle, entre autres, hein, qui avait été réalisée à Athènes hein, pour le temple d'Athéna hein, au sommet. Hein, du Parthénon, hein, et qui semblait hein, moins abouti, hein, moins peut-être terrible hein, au sens ancien du terme, que cette statue hein, de Zeus. Donc voilà comment l'un des plus célèbres hein, artistes hein, grecs hein, du Ve siècle hein, va aboutir, hein, arriver à une sorte hein, d'immortalité. Mais donc le site, hein, très vite, hein, au-delà du sanctuaire proprement dit, hein, est surtout un site. Hein, dédié hein, à cet événement qui tous les quatre ans pendant l'été hein, va occuper hein, quelques journées, une journée au départ, puis cinq voire sept hein, journées à certains moments de l'histoire, hein, mais de façon pratiquement ininterrompue hein, pendant quasiment un millénaire. Et ça aussi, hein, ça va faire partie hein, de cette réussite hein, extraordinaire hein, du, du site hein, et donc de ces jeux. Du sanctuaire d'Olympie de ces Jeux Olympiques. Vous Voyez ici que chaque période a rajouté. Alors en violet vous retrouvez le temple d'Héra que je vous ai montré au tout départ. Les trésors, cette terrasse des trésors alignés les uns aux autres. Et puis l'essentiel des constructions sont celles de l'époque classique, de l'apogée. Des jeux hein, entre la fin du VIe jusqu'au IVe siècle. Hein, et puis, hein, les époques suivantes vont continuer à développer. Les installations et en particulier celles liées à l'entraînement des artistes. Et jusqu'à l'époque romaine, on continue de construire des petits temples, des lieux de résidence sur le site ou de reconstruire à l'occasion certaines de ces parties. Donc, un site qui progressivement, vous voyez, les temples sont très limités par rapport à l'intégralité des structures lié au jeu. La plus impressionnante, hein, alors pas forcément hein, visuellement, même si hein, cette grande, ce grand espace, cette grande plaine hein, euh, sur les pentes euh, du, du mont Kronios hein, qui surplombe la ville, c'est un mont mais c'est plus une, une grande colline hein, qu'autre chose, hein, eh bien rappelle hein, le cœur hein, de ces jeux. La première épreuve dont on est la trace, hein, c'est celle de la course hein, à pied. En fait, s'il n'y avait un petit peu comme aujourd'hui, on dit toujours que le 100 mètres hein, est l'épreuve reine. Eh bien, la première épreuve, celle qui va donner son nom à l'Olympiade, c'est-à-dire que le vainqueur hein, de la course hein, du stade hein, donnait son nom à la période de 4 ans hein, qui s'ouvrait à ce moment-là après sa victoire. C'est donc vraiment l'épreuve reine, et ça n'est pas tout à fait un hasard hein, si le mot de qui, à l'origine veut sans doute dire qu'on se tient debout pour y assister, et c'est pour ça que vous ne voyez pas de gradins sur les petites pentes autour de la piste. Eh bien, ce stade va finir par être une mesure, les 192 mètres, en fait, les 600 pieds. Puisque hein, au moment où héraclès rénove les jeux, hein, on mesure son pied et on décide que la course fera sur une distance de 600 pieds hein, d'Hératlès. Ça permet d'ailleurs de savoir assez bien hein, la taille du pied hein, d'héraclès. qui est une information importante, hein, j'imagine aussi. Hein. Donc ces 600 pieds font aujourd'hui à peu près 192 mètres, et c'était devenu une, une unité de mesure, un stade, hein, c'est un petit peu moins de 200 mètres. Hein. Donc première épreuve, hein, c'est celle hein, de la course. Et on imagine assez bien hein, comment, hein, quand on se plaçait hein, au début, hein, je pense que, alors maintenant depuis quelques années, c'était interdit, mais pendant des années, hein, à chaque fois que j'y allais, hein, je faisais en sorte de me placer et de courir. Hein, un stade, de courir ces 200 mètres pour avoir un instant le sentiment hein, d'être un de ces athlètes hein, au milieu hein, de, de la réunion du peuple grec hein, venu de partout hein, sur, euh, sur les pentes, ça, ça reste quelque chose finalement d'assez grisant quand on est amoureux de la culture grecque, il suffit d'un petit peu d'imagination pour s'y croire. Et quand on entrait hein, par cet élément qui est tardif, hein, cette euh, voûte hein, ici n'est pas du tout une voûte euh, grecque hein, et témoigne des réaménagements à l'époque romaine, hein, mais montre que on va aller vers une sorte de théâtralisation progressive où les athlètes hein, débouchaient un à un sur la piste hein, où l'on allait décider du plus grand athlète hein, du monde grec, donc de tout le monde civilisé, pour les quatre ans hein, euh, suivants. Donc, c'était vraiment très marquant. En même temps, hein, il fallait, hein, pour ce faire, vu l'importance hein, de la réussite, hein, que les juges hein, soient bien placés. Et le seul espace hein, construit sur les bords de ce stade, hein, c'est cette tribune hein, où s'installaient les Elanodikès, les juges. Hein, de, des épreuves hein, qui témoignaient hein, de la bonne tenue, hein, du respect hein, des règles hein, pendant la course. Hein. Et donc seuls ces juges hein, avaient le droit à une tribune, hein, elle, hein, maçonnée en dur, hein, qui témoignait de l'importance des règles hein, à respecter hein, sur ce site. Hein. Les, les juges, hein, justement, qui géraient également le reste du sanctuaire, hein, se rassemblait dans ce lieu dont on devine encore à peu près l'abside hein, où hein, il s'installait. Hein. Euh, le, le bâtiment lui-même hein, date du 5e, hein, 4e siècle. Hein. C'est là donc hein, que ces juges hein, se rassemblaient dans ce bouletérium, dans cette assemblée hein, de gestion du site. Hein. Et c'est là aussi hein, que, hein, lors des Jeux, hein, on faisait défiler les athlètes pour que sur l'hôtel à Zeus qui a été construit dans ce bâtiment, ils viennent prêter serment de respecter hein, les règles qui s'imposaient à tous les athlètes. Voilà le lieu hein, qui a vu naître hein, le serment olympique hein, tel qu'on a essayé de le reconstituer hein, lors de la restauration des Jeux hein, par Pierre de Coubertin de façon récente. Petit à petit, hein, les Jeux deviennent tellement importants qu'ils attirent hein, des spectateurs hein, et pas seulement, si je puis dire, et peut-être même au contraire, hein, de simples euh, amateurs de sport, mais des représentants légaux hein, de toutes les grandes cités hein, politiques. Hein. Et ce Leonidae, hein, qui est tardif puisqu'il date du IVe siècle avant notre ère, montre. La nécessité de construire une hôtellerie hein, pour les visiteurs de marque hein, qui n'a cessé hein, de se développer. On en lit sur cette photo aérienne assez bien le plan, hein, même si hein, au ras du sol, hein, encore une fois, on devine juste hein, la rythmique hein, des colonnes, des colonnes ioniennes hein, extrêmement élégantes hein, qui rythmaient hein, les arcades extérieures hein, de cette hôtellerie de luxe hein, qui va être installée dans les derniers temps de l'utilisation du site pour les Jeux olympiques. Petit à petit, vous avez aussi de grands espaces pour les athlètes pour que, entre le moment où ils se rendent aux Jeux et le début des épreuves, ils puissent continuer à s'entraîner. C'était le cas d'un gymnaste, d'un gymnaste, gymnase, oh, je vais réussir, et d'une palestre. Voilà, J'ai essayé de faire un mix entre les deux qui n'était pas très heureux. Et d'ailleurs, on prétend que cette palestre hein, est la première hein, à avoir eu ce nom, hein, puisque justement, il y elle tirait son nom hein, d'une nymphe palestra hein, qui aurait été hein, à l'origine des jeux, des exercices hein, physiques plutôt hein, liés hein, au jeu. Voilà encore à nouveau comment hein, les noms hein, même hein, plongent leurs racines hein, dans des légendes. Les épreuves hein, étaient hein, assez peu nombreuses finalement, vous aviez la course, donc le stade, le 192 mètres, le double stade qui venait après, une course d'endurance, et puis enfin petit à petit on a rajouté, et ça montre aussi la, milita la militarisation de la société grecque, une course des eplites, une course avec des boucliers un casque hein, et souvent des protections également de genoux, ce qui évidemment alourdissait, hein, mais qui permettait de montrer hein, comme hein, au moment de la bataille de Marathon, qu'un bon guerrier c'est aussi quelqu'un qui peut aller vite. Hein. Vous aviez ensuite les sports hein, de combat, trois épreuves hein, différentes hein, entre hein, la le pugilat, la boxe, hein, vraiment, avec des protections, vous voyez, hein, sur les avant-bras qui se fait debout. Hein, la lutte, qui se fait, elle, hein, soit courbée, soit ensuite qui se poursuit au sol. Et le pancras, hein, la plus violente, hein, puisque hein, on peut aussi bien se battre debout que couché, hein, et que la seule limite. Hein, était de ne pas mettre ses doigts pour arracher les yeux des adversaires, ne pas leur enfoncer les doigts dans la bouche de l'adversaire ou euh, empoigner ses parties intimes. Pour le reste, tout était à peu près hein, permis. Hein, donc, c'était vraiment des athlètes hein, assez euh, imposants qui combattaient hein, pour le Pancrace. On avait ensuite hein, les lancers et les sauts, ou plus exactement un saut. Hein, le saut en longueur que vous allez découvrir hein, avec des poids. Vous apercevez que l'on tenait des poids pour gagner encore hein, dans, les, dans la longueur hein, que l'on tentait d'atteindre, et puis deux lancer, hein, le lancer de disque hein, et le lancer de javelot. Restent enfin les épreuves hein, qui étaient à l'origine des jeux, les épreuves hippiques, une course hein, de chars. Hein, de quadrige, parfois de bige, hein, c'est-à-dire seulement avec deux chevaux, hein, et puis des courses hein, où l'on montait les chevaux hein, accrus. Hein. Et voilà l'essentiel des épreuves hein, qui se, sont, se mettent en place tout doucement et qui permettent à tous ceux hein, qui participent hein, à, ces, hein, à ces joutes hein, d'espérer, e de venir, puisqu'il n'y a pas de médaille d'argent ou de bronze, d'obtenir hein, la couronne. Hein, D'Olivier, hein, qui va faire hein, du vainqueur hein, Stéphanos, hein, quelqu'un de couronné hein, de cette couronne hein, olympique. Alors, évidemment, la question se pose. Jusque-là, vous n'avez vu que des hommes. C'était effectivement le cas. En tout cas, dans l'assistance, il n'y avait que des hommes. Mais on avait fini par accepter hein, que des femmes hein, participent à une épreuve à part, et voilà pourquoi je reviens au temple d'athéna, vous voyez comme une, une partie sculptée. En creux hein, dans la colonne, eh bien, on y installait hein, tous les quatre ans hein, le portrait hein, de la femme hein, qui avait pu l'emporter dans la seule épreuve qu'on leur réservait, celle de la course. C'est la petite statuette hein, qui a été retrouvée ici, hein, montrant hein, comment les femmes hein, pouvaient concourir par opposition aux hommes. Elle était euh, vêtue. Hein. On dit d'ailleurs que si hein, la nudité s'était imposée. Hein, aux athlètes, c'est parce que lors d'une olympiade, hein, un, des, un des jeux olympiques, pardon d'ailleurs, hein, un des concurrents avait été une femme, hein, et ça n'aurait été visible qu'après l'épreuve. donc on imposait aux artistes, aux athlètes, d'être nus hein, pour ne pas encourir hein, la même déconvenue. <laughs> si je puis dire, Les, le sport a très vite été utilisé comme une arme politique. Hein. Le, la gloire qui entourait le vainqueur, rejaillissait hein, sur hein, la cité dont il était originaire. Et à la fin de l'époque classique, hein, vers 330, hein, la Macédoine, hein, la puissance montante de l'époque, avec les victoires de Philippe de Macédoine puis de son fils, hein, Alexandre le Grand, vont amener hein, Philippe de Macédoine à créer ce Philippeion hein, au cœur de la cité, un petit temple hein, à la gloire. Hein, de Sa famille. Aujourd'hui, on y voit peu de choses, mais quand je prends une photo de revers maintenant, on voit l'organisation. Vous aviez des socles, et or, sur ces socles, eh bien, on a la description de cinq statues chryséléphantines de Philippe de Macédoine, de sa famille, qui étaient installées là pour rappeler à la fois la victoire de la Macédoine sur les Grecs. Coaliser, hein, à la bataille de Kéroné hein, en 338, mais aussi tout simplement hein, pour hein, faire rentrer la famille macédonienne au milieu des dieux grâce hein, à la réussite hein, de leurs athlètes et au soutien qu'ils donnent désormais au sport. Vous voilà, voyez, hein, sport et politique ont toujours fait bon ménage hein, et investir dans le sport depuis l'Antiquité a été considéré hein, comme un, un bon moyen de donner du lustre hein, à une politique hein, et dans le temple des rats voisins aussi, qu'à peu près, sans doute, hein, à la même époque, hein, a été installée une des plus belles hein, sculptures de l'art grec. C'est pour ça que je la laissais un peu pour la fin. Cette Hermès, hein, sans doute du. Au sculpteur Praxitèle, avec ce déhanché, avec ce rendu hein, des masses corporelles, avec hein, cet échange hein, entre euh, le dieu Hermès et le bébé Dionysos hein, qui se trouve hein, dans ses bras, voilà donc aussi hein, la preuve que jusqu'à la fin de la grande époque hein, des Jeux Olympiques, hein, les sculpteurs ont continué à venir hein, réaliser des œuvres d'exception hein, destinées à être vues par les athlètes. Hein, et ceux hein, et les spectateurs du monde entier qui se rendaient sur le site. Hein. Il faudra attendre hein, l'arrivée hein, du christianisme hein, pour mettre fin aux Jeux Olympiques officiellement. C'est en 393 hein, qu'un empereur hein, de Constantinople hein, met fin définitivement à ces Jeux impies. Hein, et pour euh, marquer hein, cette conversion, hein, eh bien, une hein, des maisons parmi les plus imposantes hein, qui étaient encore visibles sur le site, va être transformée en église. Hein. Et c'est ce que vous voyez ici. Où vous apercevez les croix de ce chancel hein, d'une église byzantine qui était installée, et c'est tout un symbole, dans l'atelier de Phidias. L'atelier qu'il avait construit pour réaliser sa statue de Zeus, hein, du temple de Zeus, hein, et dont la taille... Hein, de l'atelier correspondait à la taille hein, du Naos, hein, du sanctuaire du dieu hein, qu'il allait créer pour se rendre compte immédiatement hein, de l'effet qui serait rendu lors de la mise en place hein, de sa statue hein, à l'intérieur hein, du temple. Un dernier petit clin d'œil hein, pour dire que dans chaque grande cité, il y avait aussi des jeux à Delphes, hein, à Corinthe. Hein, à Némé, et surtout à Athènes et Athènes avait une spécificité c'était une course qui n'existait nulle part ailleurs une course de porteurs de flambeaux qui devaient à la fois l'emporter sans faire s'éteindre leurs flambeaux et en 1936 le dirigeant le directeur du sport allemand va proposer à Hitler de reprendre ce symbole de façon à ce qu'une flamme hein, olympique hein, soit amenée depuis Olympie, où les archéologues allemands travaillaient encore hein, à ce moment-là, hein, jusqu'à Berlin pour l'inauguration hein, des Jeux. On se demandera beaucoup s'il faut garder ce euh, symbole, mais finalement, hein, lorsque les Jeux reprendront hein, après. La Seconde Guerre mondiale, malgré hein, cette origine hein, un petit peu impure, hein, ce, ce fantasme hein, de, de pureté hein, eh bien, euh, nazie, hein, on en gardera le symbole. Et chaque année, c'est donc encore sur le site d'Olympique, grâce à une loupe hein, géante, on allume hein, la flamme qui sera le symbole hein, de cet idéal, de cette pureté hein, que les athlètes, aujourd'hui, hein, avec évidemment. Un décorum très différent essaye de retrouver dans le souvenir du mythe des Jeux Olympiques, le souvenir qui s'enracine encore sur ce très beau site grec d'Olympie. Merci Pierre-Alain pour cette belle présentation d'Olympie et des Jeux pour cette belle histoire qui et cette manière de la raconter qui d'aucuns me diront que c'est peut-être un petit peu convenu mais qui m'ont donné envie d'aller voir de plus près et au louvre et de retourner au louvre et de, et d'aller en grèce ce qui est, est désormais possible dans un cas, dans euh, l'autre, et euh, donc nous, sans plus attendre, je regarde les questions. Je prends connaissance des questions qui vous sont adressées par nos internautes. Alors, les, Alors, une question qui s'adresse à Verdier. Les circuits proposés par Verdier passent-ils par Napi? Oui, il y a euh, notre euh, grand circuit en Grèce qui s'intitule De l'Antiquité à Byzance et qui passe par Olympie. Il a lieu au mois de septembre. J'ai vu encore récemment des inscrits se, se décider pour ce circuit, donc il est en bonne passe d'être confirmé. Il va partir. Il va partir. Et puis si, cette, si ce récit peut susciter de nouvelles vocations de voyageurs, tant mieux, évidemment. Le, où, se trouve la, euh, où se trouve la statue de Zeus, exactement alors, la statue de Zeus, malheureusement, oui, j'ai été un peu vite, je me rends compte. Hein. Elle a été emportée hein, au 5e siècle après notre ère hein, à Constantinople. Hein, et malheureusement, hein, l'ivoire, le bois et l'or se sont très mal conservés. Et finalement, la statue a totalement disparu. Donc, c'est pour ça qu'il n'en reste aujourd'hui que des souvenirs et quelques reconstitutions. Donc, en, en quelque sorte, elle a eu le même sort que la statue d'Athéna. Évoquée lundi par Charlotte de malais quand elle présentait le parthénon et qui euh, donc rappelait que cette statue avait elle aussi été emmenée à Constantinople, capitale de l'empire euh, et plus tard euh, de l'empire d'Orient qui était euh, à fait. considéré comme grec parce que euh, par le monde occidental qu'on appelait les latins. Le délai de 4 ans pour les Jeux a-t-il une raison particulière nous demande un internaute. Alors, on n'a pas trouvé vraiment de raison factuelle hein, qui explique pourquoi 4 ans. Euh, C'est plutôt une conjonction hein, d'éléments qui faisait que d'abord, il fallait un temps de préparation qui était important. Ensuite, hein, que entre le moment où hein, on annonçait l'ouverture des jeux et qu'on envoyait un héros, hein, euh, enfin, à ULT, euh, dans toutes les cités, pour annoncer l'ouverture hein, des prochains jeux, hein, eh bien, il fallait, c'était le même homme qui devait passer dans toutes les cités pour l'annoncer et enfin que les athlètes hein, se préparent. Donc, mais pourquoi quatre ans plutôt que trois Alors là, ça reste un, un mystère. Merci, Pierre Martin. Euh, que renfermaient tous les trésors, enfin, les trésors que vous avez évoqués alors, en général, dans ces trésors, il y avait, si je puis dire, le, le bâtiment euh, a le même nom que ce qu'il contenait, c'est-à-dire que on y euh, offrait hein, régulièrement des vases sacrés, hein, des boucliers, hein, de, des ex-voto, hein, donc le plus souvent avec un coût assez euh, impressionnant, hein, puisque à l'inverse hein, des athlètes hein, qui, dans l'absolu, hein, ne gagnaient qu'une couronne, hein, une couronne d'olivier. Hein. À l'inverse, pour témoigner hein, de l'investissement des cités, de leur reconnaissance envers Zeus hein, et le sanctuaire, on offrait quelques-uns des objets les plus chers ou les plus majestueux hein, et qui étaient placés dans chacun des trésors des cités représentées. Merci, Bernard. Euh, comment la statue de Zeus a-t-elle été sélectionnée parmi les sept merveilles du monde alors là, c'est la, la grande. Euh, alors, là, il faudrait presque une autre conférence sur les sept merveilles du monde. Euh, ces listes apparaissent à partir du deuxième siècle avant notre ère. Et en fait, on pense. Hein, à l'époque, c'est à la fois un mélange entre la renommée et la volonté de montrer l'étendue hein, du monde grec, puisque pratiquement toutes ces merveilles, à l'exception des jardins suspendus de Babylone hein, et des pyramides d'Égypte, hein, se trouvaient à l'intérieur du monde grec. Et même au-delà, à l'époque, hein, l'Égypte hein, est devenue une province hein, grecque. Donc on a essayé de choisir un bâtiment. Euh, un temple, hein, une œuvre, une statue, hein, une statue euh, de bronze et une statue éléphantines, le Colosse de Rhodes hein, et les Olympiens. Donc, dans, dans, ces, dans ce choix, il y a à la fois la volonté de montrer la puissance du monde grec à travers toutes ces histoires, tous les endroits où elle s'est enracinée, et en même temps hein, de choisir un élément marquant dans les divers arts hein, qui pouvaient exister. Merci Pierre euh, deux questions qui ont trait euh, au monde du sport. Comment étaient choisis et comment s'entraînaient les athlètes Et le dopage était-il déjà présent à cette époque Alors, finalement, d'une certaine façon, tout ça se, se rejoint. Bon, le choix était assez simple hein. dans chaque cité. Hum on organisait hein, des, des courses, des jeux réguliers, hein, et le, le gagnant s'imposait à travers, on imaginerait aujourd'hui, des sélections. Euh, ces sélections n'avaient pas toujours lieu d'être, puisque des fois, si hein, un athlète, hein, un sportif qui l'avait emporté quatre ans auparavant était encore actif, hein, on le renvoyait à nouveau en imaginant qu'il était hein, toujours parmi les meilleurs, parmi ceux capables hein, de s'imposer. Hein, lors des épreuves. Et pour s'imposer, hein, la pression était forte. D'abord parce que si sur place vous ne gagnez qu'une couronne, souvent les cités, elles, hein, vous récompensaient très largement. Il faudra attendre un personnage, un hein, des pères de la démocratie athénienne, un certain Solon, pour que celui-ci décide de limiter les primes hein, données aux athlètes. Autant dire que la motivation pour s'entraîner hein, avant et parvenir hein, à un niveau. Capable de, de vous permettre de vous imposer à Olympie, hein, était extrêmement forte hein, pendant toute cette époque. Si forte que le dopage est un petit peu inhérent hein, à, cette, euh, à cette gloire que l'on pouvait espérer. Alors, les, les textes anciens parlent beaucoup hein, de dopage. Le seul qui semble avoir été interdit, hein, c'est le dopage à l'alcool. <laughs> Et on raconte, il y a des anecdotes comme quoi on reniflait hein, la laine hein, des athlètes hein, avant qu'ils n'entrent sur la piste hein, pour vérifier s'ils si, hein, n'avaient pas, grâce à cela, hein, développé leur performance. Hein. C'était souvent un alcool, d'ailleurs, mélangé à de, du miel. Effectivement, alcool plus sucre, hein, bah c'est un dopant. Et puis des athlètes hein, disaient eux qu'ils avaient des régimes particuliers, le, ceux du pancras hein, privilégiaient la viande de taureau, hein, les sauteurs la viande de chèvre, hein, tout ça pour améliorer leur performance. Je ne suis pas toujours sûr que le dopage, en l'occurrence, était efficace, mais l'idée de trouver un moyen de développer ces performances était déjà présente. Merci pour ces, ces compléments d'informations, Pierre. Je ne vois plus de questions de la part de nos internautes. Je les invite, comme je le faisais d'emblée, à cliquer sur le pouce bleu signifiant leur satisfaction et nous encourageant à poursuivre nos histoires, nos récits, nos conférences. Je les invite également à, s'ils le souhaitent, bien sûr, mais toutes nos conférences sont à regarder et sur notre site donc en rediffusion en replay comme il paraît <laughs> on peut dire et euh, par ailleurs euh, continuer leur visite de notre site à travers la lecture de nos programmes de voyage nouveaux programmes en grèce euh, programme la euh, grande grèce les autres euh, dans les cyclades euh, en crète et puis d'autres voyages où il leur plaira naturellement je vous quitte à regret, Pierre-Lain. Nous nous retrouverons sans doute plus tard, en voyage ou en conférence. Et pour autant, je donne rendez-vous à nos internautes demain, où ils retrouveront Charlotte de Mallet votre quasi homonyme, qui oui. nous emmènera à la rencontre des palais minorins. Donc, nous. nous... Restez à notre écoute. Je vous remercie de votre fidélité. Je salue évidemment toute la France et pas que les Bretons ou les Savoyards que j'évoquais d'entrée de jeu. Et je vous souhaite une bonne journée. À demain. Très bonne journée. Bon, au revoir.